comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really worry about it. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 36 de notre mode carrière sur FIFA 15 avec l'AC Milan. Donc dans la dernière vidéo, on avait fait le deuxième match face à l'Écosse, on a fait 2-2. On a fait match nul face à Naples et on avait gagné, je me rappelle, on a gagné 2-0 face au Dynamo Moscou. Donc dans cette vidéo, nous allons affronter la Lazio de Rome. Je pense qu'on va faire 3 matchs de Serie A. Ensuite on enchaînera avec Sassuolo et on finira par Chiro de Vérone. Donc là je peux pas vraiment, j'avais envie de vous faire 4 matchs, mais je peux pas vraiment vous faire 4 matchs parce que je suis encore, alors à l'heure actuelle c'est fini, mais là je suis en session de rattrapage, donc il faut que je révise à donf. Donc je peux pas faire 4 matchs. Si j'aurais eu mon bac du premier coup, sans rattrapage, j'aurais pu faire 4 matchs, mais là je ne pourrais pas. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je ferai 4 matchs, donc Vérone, Juve et les 2 matchs de merde là. Voilà. Mais là on va faire 3 matchs de championnat, c'est juste comme ça, voilà, pour que vous ayez quand même votre épisode de la semaine. Donc on a à chaque fois 2 jours de repos. On va aller un peu voir comment l'équipe va. Ouais. Surtout qu'on affronte notre grand ennemi, la Lazio. Alors, on est où dans le classement? On est 9ème et la Lazio de Rome, elle est 4ème. Ça, c'est bon. Ça veut dire que si on bat la Lazio de Rome, on passe devant eux. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il nous reste à faire, c'est gagner le match. Après, il faut que les joueurs gagnent le match. Non, je suis désolé. C'est le premier match de vidéo. Faut pas de la pluie quand même, hein. Faut pas exagérer. Alors, voyons voir un peu. Brown, t'es pas en forme, donc tu joueras pas, hein, c'est clair. Je pense faire jouer équipe type, on fera jouer équipe B après. Hop, Zuma, t'es en forme, donc tu vas jouer à la place de Soul. Désolé, Soul, si tu voulais jouer, mais on m'en bat les couilles. Ouais, comme ça, ça a l'air bon. Donc on va se lancer tout de suite dans le game, t'as vu ma gueule. Lazio de Rome, en plus on est chez eux, donc on n'a pas l'avantage du public. On est dans la merde. allez, vas-y, on s'en bat les couilles. Alors compo, tiens. Ben... Ah oui, ils avaient Benteke les dernières, j'avais oublié. Oui, bon, ça change pas sinon l'équipe, ok, d'accord. Ben moi, tu vois, j'ai Rossi, j'ai Shaqiri. J'ai Kishna, t'as vu? j'ai Kishna, donc ça va. Et bim! Oh! Oh, j'ai cru qu'il était dedans! c'est Kalanoglu, vous m'avez dit. Oh, la frappe! Oh, mon dieu! Oh, c'est la rentrée, celle-là! Mais je crois que t'étais hors jeu. Oh, bien joué, Kishna. Oh, oui! Oh, faute! Carton jaune, monsieur l'arbitre! Il faut pas être gentil dans ce jeu! Il faut pas être gentil dans le foot, les amis! Ouais, l'arbitre qui met la main à la poche, c'est le jaune. Voilà! Alors, je pense qu'on est plus dominé maintenant. Donc, mi-temps, les gars, on est dominé. Je pense qu'on est dominé. Juventus qui gagne 1-0 pour l'instant. On est dominé. Au début du match, on dominait. Et là, on se fait dominer. Bon, la Lazio, t'es mon pire ennemi hein, dans ce jeu. Je te déteste. Surtout avec Milan. Je l'ai pas fait plus forte. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mec, sans pression. Sans pression, le L1 triangle, IA. Sans pression. Oh oui, Kishna. Kishna. Boum. Oui. Oui. Oui, le but de merde. Oui. En plus, c'est Rossi qui marque, donc c'est normal que ça rentre. Ah, le but! Ah, le but gag! Mais vous avez vu? Vous avez vu ce jeu-là? Mais vous avez vu? Quand Rossi frappe, Rossi, voilà, quand Rossi il frappe, la balle est obligée de rentrer. Regardez, c'est le but gag! Oui, bon, c'est une erreur de main, donc il s'est foiré. Oui, Niang! Niang, il intercepte tout, le garçon! Oh oui! Ils t'ont oublié, Shaqiri! Shaqiri, t'ont oublié! Shaqiri, t'ont oublié! Oh, fin de frappe! Oh, putain de
Voilà. Voilà. Niang. Voilà. Niang, il rentre, il marque son but, rien à foutre. Voilà. Niang, fier d'être milanais. Voilà. 2-0, les gars. Voilà. Le coaching gagnant. Qu'est-ce qu'il a fait, Niang, depuis son entrée? Il a intercepté deux ballons. Il a fait une passe qui a mené une attaque. Et il marque un but. Niang, t'es pas hors-jeu, là. Mais Niang, ils t'ont oublié. Allez, Niang. What to doublé. Reward. Pff, dommage. Oh oui, bien. Oh oui, carton rouge. Eh oui, c'était le deuxième carton. Ça fait un carton rouge. T'es con, mec. Mais t'es con d'avoir ta clé ici. Ouais, bon, j'avais aussi un très bon tireur. J'aurais pu tenter. Mais bon, l'arbitre a sifflé la fin de la mi-temps. La fin du match, excusez-moi. Un peu perdu. Victoire 2-0, les gars. On est bien. On s'en sort bien. On va faire la fête. Et tout ça, les amis. Voilà, on va boire. On va aller prendre l'apéro et tout, voilà. 3 points, donc logiquement on passe devant la Lazio. Avec un match très très disputé. Hein, voilà. La Juventus qui a gagné 3-0. Voilà, l'Inter qui a fait match nul. C'est intéressant parce que l'Inter sont premiers du classement. Et donc le classement après ce match est donc la Juventus premier. Égalité avec l'Inter de Milan et l'AC Milan. Donc on est encore dans la course au titre. Ben, c'est que le début de la saison, mais quand même on est bien. On reste collé au leader. Oui, Shaqiri couvert de luange. Alors, je regarde ce qui s'attend. Ok, Kiro Véron, donc. Ouais, mais Kiro Véron, il faudra plus mettre l'équipe un peu B. Un peu B remplaçant, parce qu'après, on a un match de Ligue des Champions, les gars. Donc, Ligue des Champions, faut donner du fort. Alors, on va jouer comme ça, ils vont jouer comme ça. On fera sortir. On va faire jouer Brandt. Baybek, on va le faire jouer. Rossi, tu seras sur le banc pour ce match. Tu rentreras à la mi-temps. Voilà. Fekir, il doit jouer un peu. Voilà. Lui aussi, il rentrera à la mi-temps. On va faire jouer Abner pour tester. Et Johnson va jouer. Et on va partir comme ça. Ouais, je pense qu'on est bien comme ça. Allez, on va partir avec cette équipe face à domicile. En espérant aller chercher la victoire. Alors. On s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est dans ces matchs. Voilà, bye back. Retour en titulaire. Pour une mi-temps, mais titulaire quand même. Dans le mec. Allez, Nabil. Pour Shaqiri. Oh putain, dommage. Fatality. Oh, le viol. Oh, je me suis fait violer une nouvelle fois. Oh, carton rouge. Tac, par derrière, c'est carton rouge. Voilà le carton rouge. Eh oui. En plus, c'est les roues. C'est le roux. Il a pas d'âme, c'est normal. Ça, le mec. En plus, il s'appelait Blondini avec et les roues. Oh, ta mère. Oh putain, c'est pas possible. Laisse-moi rentrer un coup franc au moins un jour. Voilà les gars, mi-temps. Si vous voulez un défenseur droit qui cartonne, c'est Danilo qu'il faut prendre. Il est tellement bon, Danilo. Bon, quand je dis ça et que tu sors du contexte, c'est un peu chelou. Mais il est tellement fort, Danilo. Ça aussi, ça sort du contexte, le mec. Non, mais il est super bon dans FIFA. Voilà, là au moins tu restes dans le contexte. Brandt, je l'ai pas vu du match, en fin de la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il fout sur le terrain. Il se touche la nouille, peut-être. En plus, c'est leur attaquant. Non, il souffre pas. Non, je... Oh, le PD. Oh, Soul, c'est un enculé. Dégage pas. Voilà, on garde la balle. On est des PD, nous. Johnson, il a l'espace pour tirer. Il choisit. Johnson. Putain, j'ai cru que c'était dedans. C'est quoi cette parade de Gogol là? Le mec il est pas content, ça y est. Brandt, t'as failli marquer un but. Allez, Rossi, faut la mettre. Oui, Rossi! Bon, c'est un petit tout droit de merde. Mais le plus important, c'est le but. Parce que là, ils m'ont. J'essaierai de mettre l'équipe où ils m'ont cassé les couilles.
Ah mais c'est complètement, le but est complètement mérité de Giuseppe Rossi. Victoire là déjà, c'est sûr. Voilà, victoire 1-0 les gars, yes, juste avant la fin du match. On arrive à marquer le but. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, Milan, je sais pas pourquoi je dis Milan. Alors, les stats. Ouais, là on méritait la victoire quand même les gars. On méritait la victoire avec un Danilo qui a fait un match de taré. Et un Zardes aussi qui a fait un match de taré. L'Inter qui a gagné, la Juve, bon ok, tout le monde a gagné. Donc on reste tous au même score de points. Mon rôle dans le club. Mais tu vas jouer le prochain match, fais pas chier, putain. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me casser les couilles là. Alors dernier match de la vidéo les gars. Déjà, oh putain, la vidéo va être en fait très très courte. Date limite, oui, ok, d'accord. Oui, tu vas jouer parce que je garde mes titulaires pour plus tard. Donc tu vas jouer en titulaire dans ce match. Donc les gars, cette vidéo va être assez rapide en fait. Mais tant mieux, comme ça, ça vous fera une petite vidéo et moi je peux réviser un max. Nyon qui va jouer, Shaqiri rentrera à la fin du match. Imbula. Johansson il rentrera. Bellerin il va jouer. Putain, ils sont toujours blessés, putain. Zuma il va jouer. On va faire comme tout à l'heure, on va commencer avec Buyback, on fera rentrer Rossi si ça marche pas, on fera rentrer Rossi. Et puis voilà. Bon ben en tout cas, désolé si la vidéo est courte. Hein, là ça fait donc, pour 3 matchs, là ça fait déjà 37 minutes que je recorde. Je ne sais pas du tout si comment je vais faire les clips, je sais pas la durée que ça va faire. Mais si ça dure environ une trentaine de minutes, ça sera déjà bien, mais si ça dure moins, je suis vraiment désolé. Voilà, comme ça je tiens à m'excuser au début, au cas où si vous avez une vidéo assez courte, au moins ça me permet de un peu plus réviser. Voilà. Non, 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 non. Oh putain, la chatte qu'on a dans cette vidéo. Non mais on passe pas, je veux bien mettre des buts comme ça mais pas s'en prendre comme ça quoi. Bien joué. Oh putain, mais laissez-moi marquer. Voilà, par contre la tête c'est le rentrée d'ici, t'étais fort mec, hein. T'étais fort Nyang. Bon mi-temps, 0-0, on n'a pas le droit, on n'a clairement pas le droit de faire 0-0, parce qu'on se fait dominer en fait par cette équipe très basse. En fait pas du tout, c'est nous qui dominons, mais en fait ils tentent pas des frappes, ils font, ils ont trop d'action en fait de notre surface, c'est pour ça que je dis qu'ils nous dominent. Voilà, là tu balances Baebek en profondeur, là il peut. Et il marque, voilà. Cet homme n'a pas besoin de passe peu. Vas-y, prends la balle. Prends la balle, petit. Tant pis, il va pas prendre la balle, tant pis. 1-0, voilà. Cet homme n'a pas besoin de passe PES. Il n'a pas besoin. Il s'en bat les couilles, en fait. Il se dit, les passes PES, c'est pour l'état fait. Moi, je peux marquer tout seul. Voilà, pied droit, petit pont, t'as vu. Voilà, premier but pour Baebek. Oh mon dieu. Oh putain, pourquoi je fais ça avec Bellerin. J'ai Bellerin et je tente des passes que. Des passes vraiment trop risquées. Ouais, c'est du con là. Il me serait pris un but, je l'aurais mis pour ma gueule. Kishna, il arrive à louper ça. T'arrives à louper ça, Kishna. J'aurais dû tenter un plat du pied. Oui! À la base, c'était à lui, c'était lui qui devait marquer. Mais il a voulu faire une grosse passe. Le gardien l'a touché et Johansson en a profité. Voilà, 2-0 les gars. Encore un 2-0. Encore un 2-0. Je crois qu'on a fait là ouais, c'est... on a fait 3-2-0. Non, le match d'avant, on a fait juste 1-0. Non. On a fait déjà deux matchs à 2-0. 3 victoires. Voilà, on les a fait stresser à la fin. Bon, victoire les gars, 2-0. Ça va. Bon, bah, ça va, c'est une victoire. Donc, une victoire est une victoire. Une victoire, une nouvelle fois, complètement méritée. Donc, je sais pas, on sait pas ce qu'a fait les autres équipes. On saura ça donc dans la prochaine vidéo. Donc, 51 minutes, donc c'est un peu plus court que ce que je fais d'habitude.
Alors voyons voir un peu. Les supporters ont maintenu un nouveau nom à scander à la personne de Jean-Christophe Baybeck, assez peu connu. Il vient de signer un très bon résultat. Ça fait quand même un an qu'il est là, donc assez peu connu, merci. Mbanyang continue d'enchaîner les bonnes performances avec son équipe. Lui qui s'est montré de nouveau étincelant face à son adversaire Kiro Véron, il est énorme en ce moment. C'est féliciter Berzaki. Honnêtement, j'envisage de le mettre au repos pour ce match, mais il est venu me demander de jouer et après mûre réflexion, j'ai réintégré dans l'équipe. Les supporters n'ont pas hâte de voir l'entraîneur le remettre au repos. Ouais, mais tu vas devoir te mettre au repos de temps en temps aussi. Hein. T'as quand même Shakira à ta place. Donc, on va motiver les troupes, les gars. J'apprécie ce que vous m'écoutez, c'est très gentil de votre part et tout ça, merci de rien. Alors, on va aller tout de suite au match qu'on fera donc dans la prochaine vidéo. Les stars de la semaine, tiens. Ok, petit bug. Les stars de la semaine, merci. Alors, on a pour nous, donc il y a Clélini, donc il y a Imbula, et c'est tout. On a Kimbula. Calhanoglu qui accueille ses anciens coéquipiers. Le match de coupe à venir s'annonce très équilibré et passionnant entre les deux équipes qui s'affichent clairement leur ambition de remporter l'épreuve. Merci. Mais à voir quand je galvanise. Voilà, galvanise ses troupes. Alors, c'est la finale. C'est la finale. C'est la finale. On est en poule, mon pote. Les deux ennemis, toujours Milan et Bayern Leverkusen, vont devoir en découdre pour s'ajuster le meilleur trou. Ils ont complètement craqué. Ils ont complètement craqué. C'est la phase de poule. Le Bayern Leverkusen a perdu son match face à Chelsea. Et nous, il faut gagner pour tenir, pour résister, pour tenir tête à Chelsea. Pourquoi pas finir premier du classement. Donc, en tout cas, nous, les gars, on va s'arrêter là. Donc, dans la prochaine vidéo, on affrontera donc le Leverkusen. Ensuite, 4 jours de repos pour affronter la Hellas Vérone, 1 jour de repos pour affronter la Juventus, donc équipe A, équipe B, équipe A. Et peut-être qu'on fera le premier match des phases de poule, de qualification, voilà, tout ça. Et on va se quitter avec le rapport d'équipe, voir qui a évolué ou pas. Moi, tu passes à 82, j'aimerais bien que tu remontes de général, toi aussi. Toi, ça va, tranquille, sans pression. Et après, on a plus de finition, le mec. Ou 83 plus 1. Je me rappelle plus, je crois qu'il avait 79 au début de la première saison. Donc il a bien évolué. 81 plus 1. 83 plus 1. Ouais, lui quand même encore un plus 1 alors qu'il est à 29 ans. Brandt il prend des points, ça va, même s'il n'est pas en forme. Il est malheureux. Ah, faut que je le fasse un peu plus jouer. Ah, mais vu ce que tu m'as fait, tu joueras plus. Hein. Ça, c'est clair et net. Jean-Christophe Baybeck, là je passe vite fait, c'est toujours il doit jouer plus, 79 plus 1, bien qu'il passe à 80, ce serait sympa. Sinon le reste je passe vite fait pour vous voyez un peu qui prend partout. Donc retour dans 2 semaines, Costa, dans 2 semaines il revient. Fekir qui est pas en forme, il prend des points. Et Royce qui revient dans 5 mois encore, 5 mois, il prend quand même un plus 1. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça les amis. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Nous, on se dit à la prochaine et on se retrouve pour une autre prochaine vidéo. À la semaine prochaine, tout ça, blablabla. Bye et à la prochaine. Peace out.